aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne va pas être très très longue, mais c'est juste un petit déballage de commandes que j'ai passé à la maison du canevas. Je l'ai reçu très très rapidement, comme d'habitude, il n'y a pas eu de souci. Alors, d'abord, j'ai pris des fils. Alors, j'aurais pu en prendre plus parce qu'il y a... Alors, je ne sais pas si la promo existe encore. Je vais juste vérifier. Quand j'ai passé commande, il y avait une promotion. Voilà. Maison du canevas, elle est là. Il y avait une promotion. Tout était à 50%. Tout au moins, une très grosse partie du site était à 50%. Et... donc, j'en ai profité pour prendre un petit peu. 2-3 fils, mais j'aurais pu en prendre plus si je voulais, mais bon, niveau stock, ça va. C'est surtout que j'ai repris un petit peu, vous savez, les nouveaux numéros. Donc, j'ai repris le 06. Voilà, alors attendez, je vais mettre dans l'autre sens, vous verrez mieux, et je reviens vers vous après. Hop, 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 hop. Alors, voilà. Donc, j'ai pris le 06. Là, c'est le 34. Là, le 35. Alors, il y a quand même une différence, hein, vous voyez. Hop, je lui mets l'un à côté de l'autre. Donc, celui-là, le plus foncé, c'est le 35. Et ici, c'est le 33. Ouais. Mais t'es fofolle. Excusez-moi, Piffy a raté son saut. Oh, elle nous fait des peurs en ce moment. Elle ne sait plus sauter, mes mères. Et t'as plus 20 ans, hein. On a jumain. Parce que bon, elle va avoir 10 ans seulement. Donc voilà, le 33, le 34, le 35 et le 06. Voilà. Je reviens vers vous. Ah, je vous jure, elle m'en fait voir des fois. Et alors, ma commande était principalement pour une toile qui, elle aussi, du coup, c'est ça que j'étais en train de regarder si c'était encore à 50%. Pas tout. Alors, oui. La promotion que moi j'ai eue, celle-là est terminée. Mais vous avez maintenant la vente de printemps, donc à 50%, mais là, c'est sur les kits de broderie. Voilà. Les kits de broderie, les canevas. Voilà. Alors, je vais chercher le prix que j'ai payé. Mon compte. Allez. Avoir les gros doigts hein, des fois avec les tablettes, mes commandes, elle est où là? Ici, hop, voilà. Alors, les fils, je les avais eu à 94 centimes. Voilà la toile. J'ai donc pris une toile Zegart Etamine Murano 12.6 fils blanc cassé en coupon. Et donc, j'ai pris un coupon de 69 cm sur 1 mètre. Voilà. Alors, lors de ma dernière vidéo, je crois que c'était au journal créatif, je ne sais plus. Je vous avais dit que pour faire mon achat ED malgré tout le stock de toile que j'ai, j'avais pas pour faire cette broderie, enfin cet achat ED, et que j'hésitais à prendre entre une Aïda 7, une Aïda 8 et la fameuse Etamine. J'ai vraiment beaucoup hésité, je vous assure. Par rapport au prix, j'ai vraiment énormément hésité, malgré que tout était à 50%. Mais après, je me suis dit,
Non, je reviens à mes premières amours. Je vais la faire en Aïda. Oui, bah, tu t'es pas fait mal, mon bébé. Non, tu t'es pas fait mal. Oh, mon petit bébé. Donc, j'ai préféré rester en Aïda. Parce qu'au début, du coup, j'étais plus sur une Aïda. Une Aïda, une étamine, pardon. J'étais plus sur une Aïda 7. Et après, j'ai. Oh, mais c'est pas possible, ça, aujourd'hui. Oui, maman. Ah, non, c'est pas chat. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas aujourd'hui, hein? Oh là là, tout le monde, il se fait mal. Tout le monde, il se fait mal. Allez. Désolée. oui, du coup, je voulais l'Aïda 7. Et puis après, j'ai réfléchi. Je dis non, je vais commencer à le broder. Ça va pas me plaire. Et puis, voilà. Donc, j'ai pris bah, l'étamine. Au moins, c'est une valeur sûre pour moi, malgré que l'Aïda, c'est de la bonne toile aussi, hein, je vous rassure. Hein. C'est parce que moi, j'ai beaucoup plus l'habitude de broder sur de l'étamine. J'aime bien parce que c'est toujours très, très bien emballé. Voilà. Bon, c'est blanc cassé, hein, donc là, la couleur, il n'y a pas trop à vous montrer. Voilà. Alors, voilà, là, voyez, on a 1 mètre. Et ici, de ce côté-là, donc, on a 69 cm. Il faudra que je remesure. Ah, bah, attendez, j'ai mon mètre là. Mais normalement, il n'y a pas de souci, hein, sur la maison du canevas. C'est très rare qu'il y ait un problème. Mais bon, c'est jamais, hein, mais. Enfin, ça m'embêterait qu'il y ait un problème. Parce que là, j'ai mesuré juste. Ah bah, pile poil. 69 cm. Voilà. Donc bah, du coup, dans l'autre sens, il y a bien les 1 mètre aussi. Hein. Donc voilà. Oui. Voilà. Bon, vous voyez pas bien. Bon, je vais me remettre dans l'autre sens encore. Hop. Voilà. Je vais grossir pour vous montrer la toile. Ça floute. Allez. Arrête de flouter. Ça veut, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, voilà. Ça y est. Voilà. Donc, l'étamine, c'est ça. Hop, c'est reparti. Voyez. C'est ça, l'étamine, c'est quelque chose de très régulier, je trouve. Et au niveau des trous, bah, il n'y a pas de. Arrête de flouter. Voilà. Vous voyez, les trous sont bien nets. Voilà. Donc voilà. Donc je vais pouvoir commencer mon chat. Alors je n'ai pas encore bobiné mes fils. Mais j'ai un souci avec le chat. Je vous explique. Alors, je vais chercher des équivalents niveau des couleurs. Hop, voilà. Excusez-moi. Parce que sur le patron, il y a une, deux, il y a trois couleurs qui n'existent plus chez DMC. Donc, bien sûr, il y a les équivalents. Donc, ça, j'ai pas de problème pour ça. Le problème que je vais avoir, c'est que par exemple, j'ai un équivalent, je crois que c'est le 702. Donc je vais devoir mettre la couleur 702 à la place de, je sais plus, j'ai pas mon papier à côté de moi, mais je vous en reparlerai. Mais le symbole juste en dessous, hein, qui suit celui que j'ai dû prendre l'équivalent, il se brode avec le 702. Justement.
Du coup, je ne peux pas faire deux symboles de la même couleur, hein, c'est pas possible. Du coup, je vais. J'ai quelqu'un sur le groupe qui m'a donné un site où on trouve les équivalents par couleur. Vous savez, par exemple, si c'est. On va dire. On va prendre ces deux-là. Là, vous voyez, il y en a un qui est un tout petit peu plus foncé et un tout petit peu plus clair. C'est le 35 et le 34. Voilà. Donc, ces deux couleurs, on va dire, dans la même nuance. Voilà. Donc, je vais aller sur ce site. Je vais taper la référence DMC 702 et ça va me donner les autres références DMC qui se rapprochent le plus de cette couleur. Voilà. Et comme ça, bah, je pourrais prendre la couleur la plus rapprochante, mais qui pourra être un tout petit peu différente de comment? Du symbole qui va être en dessous. J'espère que vous m'avez compris. Hein. C'est vrai que c'est un peu complexe. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que cette. Alors peut-être que la personne n'a pas mis. La créatrice ou le créateur, je ne sais plus, n'a pas mis son logiciel à jour, peut-être. Parce que la grille date de cette année, 2024. Et les couleurs qui n'existent plus chez DMC, ça fait déjà un petit moment qu'elles ont changé. Donc bon, c'est pas grave. En même temps, ça me permettra, je ferai un petit mot sur le site HAED pour les prévenir. Parce que bon, peut-être que ils ne peuvent pas vérifier toutes les grilles non plus. Hein, donc voilà. Donc si vous avez pris cette grille du chat, comme moi, mais je vous referai une vidéo, hein, une vidéo de préparation. Ben sachez qu'il y a trois couleurs sur la liste qui n'existent plus chez DMC. Donc il faudra que vous preniez les références de remplacement. Et quand vous en, comme moi là, le 702, je vais l'avoir deux fois. Ben là, il faudra prendre un équivalent de couleur. Bon, ah, d'accord. Je vous explique ce qui vient de se passer. Fifi est en train de. Elle mange sur son arbre à chat, parce que sinon les chiens lui mangeraient sa gamelle. Mais elle vient de faire tomber une croquette. J'en ai deux qui ont fait croquette. Ils ont entendu le bruit. Ah, ils reconnaissent le bruit d'une croquette qui tombe sur le carrelage. Ah, allez, c'est tout. C'est tout. Il n'y en a plus. Elle ne va plus en faire tomber. Oh, c'est pas possible. Mais c'est une grosse gif. T'es une grosse gif. Tu penses qu'à manger? Ils sont nés pour manger, c'est tout, tout. Ils sont nés pour manger. Voilà. Donc, je vous redonnerai les explications de ce que je viens de vous dire pour cette toile, enfin, cette grille. Et du coup, je vous dirai par quoi j'ai remplacé, etc. Comme ça, si jamais vous devez la faire. Alors, il y a toute une série. Hein. Il y a le chat, le renard, la libellule, le papillon, voilà, il y a la licorne. Il y a plein, plein de choses. Donc, vérifiez. Si vous en avez acheté une de ces grilles, vérifiez quand même que vous avez bien les bonnes références et qu'il n'y a pas des couleurs qui n'existent plus. Parce que bon, bah dans ce, bon, je suis, dans ce cas-là, il faudra que vous mettiez une couleur de remplacement ou un équivalent. Voilà. Je ne vous ai pas donné le prix de la toile. Alors, la toile, je l'avais eue à 19,60 € et maintenant, elle est à combien? Non, 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 non. Tu attends que maman l'a fini. J'ai presque terminé, donc. Ça va aller. Vous avez l'habitude maintenant avec eux. Alors, la 12 fil, elle est où? Là, c'est là déjà, la Murano. Mais vous arrêtez un petit peu aujourd'hui. Oh!
Ah ben les toiles sont plus à 50%, mais elles sont à 30%. Voilà. Donc c'est bien. Alors ça c'est la blanche. Moi c'est pas la blanche. Bon, enfin blanche ou blanc cassé, c'est pareil. Oui, elles sont à 30% maintenant. Donc elles sont toujours en promo. Alors ça c'est la blanche irisée. Non. Je retrouve plus la mienne. Ah, voilà. Allez. Tic 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 tic. Alors. Voilà. Alors maintenant, alors moi je l'ai eu à 19,60 € à 50%. Maintenant elle est à 20, dans la taille que je vous ai donnée, hein, bien sûr. Elle est à 27,44 €. Par contre, son prix normal, c'est 39,21 €. Voilà. Donc moi, au lieu de 39 €, je l'ai payé 19. Donc j'ai eu 20 € de réduction. Presque, attendez. Non. 20 et 24. Si, c'est ça, ouais, j'ai eu, pour ainsi dire, 20 € de réduction. C'est ça, hein? Non. Non, c'est pas ça. Je calcule mal. Si, c'est ça. J'ai presque 20 €. Voilà. Après ma petite vidéo complètement décousue, ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous refais une vidéo, ben, du coup, je pense dans la semaine pour la préparation de la toile du chat. Voilà. De toute façon, même si je n'ai pas tout bobiné, j'ai commencé à étiqueter les bobinettes en plastique. Donc là, les numéros de référence sont déjà dessus. Une partie, hein, parce que j'ai quand même 228 couleurs, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai pas encore fait 228, hein, mais ça va venir. De toute façon, là, pour commencer ma toile, le début, c'est du noir et du 939. Donc voilà, si j'ai déjà ces deux couleurs-là de bobiner, après, j'ai le temps de bobiner le reste. Voilà, bon allez, j'arrête de papoter. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait ma vidéo, mais bon, elle ne doit pas être très très longue quand même. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Bisous, bisous.